faut donner aux jeunes Guadeloupéens la possibilité de s'entraîner, surtout que nous savons très bien que la Guadeloupe rapporte beaucoup de médailles au niveau mondial pour la France. Les façades en fait sont équipées de ventelles en aluminium ouvertes, fixes, qui permettent le passage naturel du vent. Le but c'est de faire des économies d'énergie et de créer un bâtiment qui soit ventilé naturellement au maximum. Créer une luminosité naturelle maximum avec un design et un graphisme qui est quand même particulier, donc pour marquer un appel et inviter les gens à rentrer dans le bâtiment. Là sera un lieu de vie, un lieu social, un lieu de dimension vraiment sportive qui va regrouper un peu toutes les catégories de disciplines sportives. Et puis Mornalo, qui est réputé comme une très sportive, était en attente de cet équipement. Vous savez, on a là deux clubs qui ont été champions de France National 3 et ils sont obligés de jouer à l'extérieur chaque fois. Donc nous avons voulu effectivement, à la demande du maire et de la municipalité, mettre à disposition de la jeunesse mornalienne et de guadeloupéenne un gymnase de plus de 330 places, mais nous pourrons monter à 500 places. Il y aura des modifications à apporter. Dans le cadre de RIACTU, la région a décidé d'accompagner, d'équiper les communes de Guadeloupe en infrastructures sportives.